Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous présente l'album terminé. J'espère que les tutos vous auront plu, qu'ils vous auront aidé pour ceux qui essaieront de le faire, que mes explications ont été claires. Maintenant, on va passer au détail de cet album terminé. Alors, comme je vous l'ai dit au tout début, j'ai utilisé une collection de chez Action au niveau des papiers. La petite fleur que vous avez là, c'est une fleur que j'avais trouvée à Noz. Le petit cœur avec les engrenages vient de chez Horizon Créatif. Voilà. Différents sujets, des décors qui viennent de chez Action. Sur la tranche, je suis venue mettre un tissu, qu'on trouve dans tous les magasins de tissus, avec les lettres en bois de chez Action et des décors en bois qui viennent aussi de chez Action. L'arrière de l'album, j'ai fait comme des empiècements. Voilà. Et on va passer au détail de celui-ci. Le ruban, c'est un ruban de chez... Je crois que c'est de chez Noz que j'avais acheté. Ici, c'est une poignée que j'avais trouvée dans un salon de loisirs créatifs. Donc, vous allez retrouver les pages que j'ai faites. Je vais me redresser un petit peu. Voilà. Alors là, vous avez la page pochette avec le tag sur lequel on peut venir mettre des inscriptions. Et le deuxième tag, on peut venir mettre des photos, aussi bien devant que derrière. Hop, on va remettre ça en place. Alors, attention, parce que j'ai mis des rubans derrière. Si c'est mal rentré, ça n'apprécie pas trop d'être arraché. Voilà. Ici, vous avez la cascade classique. J'ai juste mis du papier sur le bord des tranches. Voilà. Et là, j'ai mis un petit endroit pour mettre des inscriptions. Ensuite, ici, vous avez la page avec le petit carnet intégré. Donc là, vous avez le petit carnet ici. Voilà. On peut l'ouvrir comme ceci. On referme et on l'ouvre dans l'autre sens. Ça, c'est des embellissements que j'ai eu chez Horizon Créatif. Ici, vous avez les rabats en quinconce. Voilà. Les plumes, c'est des plumes de chez Action. Les mots en blanc comme ça, c'est des mots qui viennent de chez Graffiti Girl. Voilà. Hop. Et voici pour cette page. Page suivante, vous avez un petit livret sur le devant. Ensuite, vous avez quatre rabats où on peut venir mettre quelques photos. Je n'ai pas compté le nombre de photos qu'on pouvait mettre dedans, mais je pense qu'on peut en mettre un petit paquet. Ensuite, vous avez, c'est pas le bon plan, je reste de ce côté-là. Vous avez les petites pochettes avec les petites cartes. Derrière celle-ci, je suis venue mettre un emplacement de journaling. Et un petit livret où on peut soit faire du journaling, soit mettre des photos. Voilà. Et j'ai fait essayer de faire de façon à ce qu'on ait là une image continue. Pour les fleurs, là vous avez les fleurs de chez Action. Le petit mot vient de chez Horizon Créatif. Et les petites fleurs ici, je les avais achetées, ainsi que les brats qui sont mieux à Noz. Voici la suite avec la carte. On peut mettre pas mal de photos, voire même en insérer au milieu. Voilà.
la petite découpe de chez Horizon Créatif. Le petit napperon, c'est un petit napperon que j'avais gagné lors d'un concours dans un lot. Des petites perles que j'ai trouvées à Noz. Et les petits strass qui sont là, c'est des strass que j'avais eu chez Scrap Didi. Voilà, donc quand on ouvre, on arrive sur une cascade interactive. Voilà. Là, pour celle-ci. Pour celle-ci. C'est ce principe-là. Vous les avez vus dans mes albums précédents. Mais c'était dans l'autre sens. Là, j'ai voulu faire dans ce sens-là. Comme ça, ça nous permet de mettre des photos en mode portrait. Voilà. Toujours les décors bois d'Horizon, de chez Horizon Créatif. Les petites cartes à messages là, viennent de chez Scrap Didi. Donc là, toujours un embellissement bois de chez Horizon Créatif. Une carte pour maintenir le tout, où on a un pop-up. Voilà. Et nous terminons par une petite cascade en mode portrait. Là. Avec un petit badge que j'avais dû avoir à Noz. Ouh, je suis en train de... Les fameuses pages montagne double. Voilà. Et voilà. Mon album est terminé. J'espère qu'il va plaire à la personne à qui il est destiné. En tout cas, j'ai pris un grand plaisir à le faire. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo ainsi que toutes les autres vidéos précédentes. Et je vous dis bon scrap et à bientôt. Au revoir.